L'école secondaire Monseigneur Richard présente. Prêt pour une bonne leçon. C'est qu'elle est vraiment extra, cette affiche. Moi, c'est elle ma préférée, et je m'y connais. Oh, chic! De super consignes à respecter. Mais quelle est cette affiche qui fait fureur parmi les écoliers? J'ai pris le matériel permis et requis. J'arrive à l'heure. Je rentre en classe calmement. Je suis disponible aux apprentissages. Je respecte le code vestimentaire. À 8 heures. Colin aime arriver en classe avant tout le monde et s'asseoir à l'avant, juste devant l'institutrice. Dans cette autre classe, les élèves entrent dans le calme avec leur matériel scolaire. Et toi, Balthazar, tu as tout ton matériel permis et requis? Je suis si fier de mes élèves. Ils sont si de bons élèves. Et ça, c'est parce qu'après être arrivés à l'heure et calmement, ils sont disponibles aux apprentissages. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ouh, eh ben pour moi, ce que ça veut dire, c'est que... Être disponible aux apprentissages, ben, c'est être en classe avec le sourire, écouter et participer. Parce que ma réussite, c'est comme une plante de jardin. Et je suis le premier jardinier de ma réussite scolaire et académique. Ouais. Ben, comme il dit Didier, c'est d'être prêt à travailler. Être prêt à travailler, c'est aussi avoir son matériel. Comme un crayon aiguisé avec une efface qui efface au bout. Et moi, j'aime avoir lu les lectures obligatoires et je prends des notes. Et ça, c'est être disponible aux apprentissages. Ouais, sauf que pour moi, je respecte le code vestimentaire de l'école. Ça fait que je peux être habillé comme mes copains et c'est des chouettes couleurs. Moi, ce pull à capuchon bleu que je porte, c'est mon préféré. Mais je le lave. Je le lave parce que ça sent moins bon si je porte que ça pendant un mois. Alors je le lave et je sens propre. En suivant ces consignes, vous serez prêt pour une bonne leçon. Alors, ma chérie, c'est vraiment une école bien. Moi, j'aimerais passer toutes mes journées dans cette chouette école. La fin.